Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Vision High Tech. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est à l'extérieur et on va faire quelques tests avec une application du nom de Tête assis. TapTapSee. Double appui pour activer. TapTapSee est une application qui permet de prendre une photo. Cette photo va être analysée par l'application et elle va vous être décrite automatiquement. Alors c'est vraiment génial lorsqu'on est malvoyant ou lorsqu'on est non-voyant, puisque en prenant cette photo, vous allez vraiment avoir un rendu de ce que vous avez pris en photo. Alors on va tout de suite ouvrir l'application. Juste tape assis. Tadam. On est sur un système Android et à la première Tête assis. ouverture, on vous demande si vous voulez autoriser la prise de photo. Donc vous l'autorisez sans problème. Une fois que vous avez autorisé ceci, par exemple, voilà donc ici, si je me positionne devant quelque chose, TK Picture Button, donc double tap front ça veut dire view, que Picture Impulse Progress. on vient de prendre une photo. J'ai pris ici ça devant, j'essaye de vous le mettre en gros sur l'écran, et on va voir le rendu de cette photo. Alors, une fois que vous avez pris la photo, il n'y a strictement rien à toucher, tout se fait tout seul. Alors si vous êtes en 4G, ça mettra un peu plus de temps, mais si vous êtes en Wi-Fi et en 4G, il y aura une plus grande réactivité de l'application. Picture Impulse Progress. Vers le bas, on entend que ça progresse. Image un lys plante à feuilles vertes dans un vase. C'est vraiment vrai puisque je viens de prendre donc en fait une grosse plante qui est dans un vase. On va maintenant prendre une autre photo et on va voir ce que l'application nous raconte. TK Picture Button. Picture 2 pouces progress. Donc on est sur la deuxième prise de photo. Alors merci aussi de vous abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir. Sur ces tutos, présentations et démos, aujourd'hui donc on est sur une application du nom de TapTapSee sous Android. Elle existe aussi sur iOS, donc n'hésitez pas à aller télécharger cette application si vous ne la connaissez pas. TapTapSee est une application en temps réel de prise de photos et elle numérise la photo pour vous expliquer qu'est-ce qui se passe sur l'écran. En haut, vous avez donc une barre de différents boutons Repéa button, c'est de la picture again. Touche, désactiver. pour répéter si vous n'avez pas entendu le résultat de votre photo. Librairie button. Possibilité d'avoir accès à votre librairie. Image un lisse bande de bois brun vide au champ d'herbe sous l'arbre. Et c'est vraiment vrai puisque j'ai pris une photo sur d'un banc qui se trouve sous un arbre. On va prendre une autre photo TK pour picture terminer. button, double picture de pouce progress. Donc le but est de prendre des photos devant soi et l'application vous les décrit. Donc c'est une application de description de photos, si on peut la décrire comme ça, cette application. Alors ça met un certain temps à vous la décrire. Alors pour vous expliquer, normalement, j'ai pris une chaise de jardin. Image de lisse chaise à d'Hirondack inoccupée. Voilà, une chaise qui Double n'était pas appui pour occupée. activer. Donc vous voyez, c'est vraiment très satisfaisant en termes de reconnaissance d'image. On peut éventuellement prendre une petite dernière photo. TK Picture Button, double tap. Picture 3 pouces progress. Et ici, normalement, j'ai pris une lampe. J'espère que ça va le reconnaître, elle. Donc, cette application TapTapSee est bel et bien compatible sous iOS que sous Android. N'hésitez pas à la télécharger, à la tester si elle vous convient. Ça peut être vraiment génial pour les personnes non-voyantes ou pour les personnes malvoyantes, ou pour même si vous voulez bluffer lors d'une soirée vos amis. Vous téléchargez cette application et en prenant les photos, vous allez voir le résultat. Image 3 islande de table blanche. Et on est bien sur une lampe de table blanche. Voilà donc, merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Pensez bien à vous abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine application. À très bientôt pour la prochaine. Salut à tous!